c'est une manière. Prends-moi de la physique des masses. Venez, Alexandre. Venez. Je vais voir, tu vois. Je lui dis pas. Je suis arrivé, on n'en parle pas. Ouais, ça va, ça paraît simple. C'est l'introduction. Tu n'avais pas ces livres? Tu les as lus au moins? Non. Ah bon? Pourquoi tu avais ces livres si tu les as pas lus? Ensuite, j'ai ma petite métaphysique. Ah bon? C'est super à lire, hein, le fondement de la métaphysique des mœurs. Ouais. C'est pas compliqué. C'est. J'en avais une poche après le début. Ah d'accord. Bah ouais. Mais c'était tes livres, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas t'allonger, tu vas te reposer? Ouais, bon. T'as le temps, hein? Il était l'heure là-haut. T'as de la parole, toi, ça? Ça joue au trouble avec les lunettes. Moi j'ai pas besoin de lunettes pour lire de près. J'ai des gaufres. Regarde, c'est pas ça. Que le Christ soit un exemple, celui d'un homme agréable. À Dieu, le philosophe n'en disconvient pas. Ce qu'il refuse, c'est qu'on se serve de cet exemple comme d'un fondement. Tout exemple est discutable, nul homme ne peut savoir si derrière sa volonté de bien, faire l'amour de la gloire, n'est pas caché aussi, et c'est vraiment un point capital dans le développement de la morale, Kant cite la parole du Christ qui, interpellé ainsi haut pour maître, réplique par ces mots, « Pourquoi me dis-tu bon ?» Eh oui, pourquoi on le dit bon?
la pensée religieuse catholique et protestante, tout en faisant plus ou moins appel à la réflexion, est essentiellement une tradition d'une vie sainte, vaste, vaisseau, où l'histoire a dû s'embarquer, tradition toutefois et non philosophie. Tradition et philosophie. Donc après, quand tu fais pas. Critique de ta raison pure, Kant se propose à justifier les sciences mathématiques et physiques, affirmant si elles sont réelles, elles doivent être possibles, le développement de la possibilité, selon nous, comprise comme l'essence qui rend possible la réalité, forme le principal dessein du philosophe. Oui. Et on pourra en citer encore beaucoup comme ça, de Kant. Oui. C'est une belle chose que l'innocence. Le malheur est seulement qu'elle cache, qu'elle sache. Enfin, c'est une belle chose, je ne vais pas le détruire, de dégommer. Hein. J'adore Kant. C'est une belle chose que l'innocence. Le malheur est seulement qu'elle sache si peu se préserver et qu'elle se laisse si facilement séduire. Voilà pourquoi la sagesse même qui consiste. D'ailleurs, bien plus dans la conduite que dans le savoir, a cependant encore besoin de la science, non pour en tirer des enseignements, mais pour assurer à ses prescriptions l'accès à la permanence. Ça, c'est du livre, franchement, hein. Alors...